Zamba yebi singai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana, bato ba mona kite. Yamba soufflinga. Bikenda na veni Luka, na direction Birmani, derrière maison communale Yangiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye, Nzambe akosakate. Po nga na yebi sa Nzambe wana, so akosi, nga na ye. Tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Samset Chek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Samset Chek. Très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, ni le part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est bon, c'est que les solo, fait que vous avez un solo. Il y a un solo. Merci. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement et modéré. Bienvenue à ce tout nouveau numéro, comme d'habitude. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, je crois, nous sommes très, très heureux puisque certainement la semaine passée, vous ne nous avez pas retrouvés et nous sommes là en forme comme la semaine passée, le corps n'a pas répondu favorablement, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, nous sommes là. Alors, nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu qui parle bien, qui a une façon exceptionnelle de communiquer. C'est quelqu'un qui est déjà un habitué d'ailleurs, déjà de ce plateau. L'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baca, le moindre de tous, les galériens. C'est lui notre invité. Avec lui, nous aurons touché plusieurs points, ce qui concerne l'actualité et aussi, nous allons continuer avec notre série « Comment décoder et toucher sur le livre d'Apocalypse ». Bien sûr, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Ndélé, que Dieu te bénisse. Amen. Apôtre des gentils, semblable à l'apôtre Paul, comme on dit, le moindre de tous. Que Dieu te bénisse et que l'Éternel t'accorde une prompte guérison. Amen. Par rapport à la grande mission qu'il t'a confiée de prendre soin des brebis de l'Éternel, du temps de la fin, à un si grand nombre qui nous suivent, nous sommes focalisés dans l'émission « Comment décoder ». Aujourd'hui particulièrement, avant de te laisser l'actualité, je vais poser le fondement sur des éléments. Mmh. La première des choses, ou le premier élément, je voudrais te donner non seulement la définition de l'apocalypse. Mmh. Ça, tout le monde le sait. Mmh. C'est en grec « apocalypsis ». L'action de dévoiler ce qui est caché. Donc, il y a des choses qui sont symboliques, qui se trouvent dans les livres d'Apocalypse, que les amoureux de l'Évangile, que le citoyen du royaume veulent comprendre la quintessence. Ou autrement dit, les cinq sens cachés de ces histoires. Mais apôtre des gentils Alain Delay, tu ne peux pas révéler ce qui est caché par une interprétation personnelle. C'est la raison pour laquelle nous disons, à chaque fois que nous lisons, posons les fonds, avalons les roues. Le rouleau. C'est un principe biblique. Tout amoureux des Écritures devait savoir que le livre d'Apocalypse est subdivisé comme suite. Toi aussi, en tant qu'apôtre des gentils, avec la grande conférence de Genève que tu vas tenir, avec tous les hommes dédiés du monde entier, réunis comme un seul homme dans le jour à venir, pour donner la politique générale de l'Évangile, apôtre Ndélé orateur. C'est sérieux.
Là, le confinement est fini. On ne va pas te mettre dessus toi pour te tester les nez là. Non, l'éternel ne permettra pas ça. Vraiment. Parce que ce soit le vaccin, que ce soit les tests, tout est contaminé. Alors, c'est très grave cette histoire. Bon, ne restons pas là parce que ça crée des polémiques. Tant sur le plan national qu'international. International. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, ce n'est pas un problème. Quand c'est Baka, c'est des bien un problème. Parce que même les ennemis de l'évangile se mêlent dans la situation pour chercher l'amour physique précoce de Baka. Or, moi, j'ai dit en accord avec Deutéronome chapitre 34, le verset 5 à 7, je vivrai longtemps. Jusqu'à 120 à 120 ans. Je ne perdrai ni la vue, ni la vigueur de mon corps. Cela est aussi le bénéfice de tous les téléspectateurs, de ceux qui suivent cette émission. Commentez. Décoder. Vous allez vivre longtemps. Jusqu'à 120 à 120 ans. Et pendant ces 120 ans, ni la vigueur de vos yeux, ni la vigueur de vos corps ne peuvent vous quitter. Ensuite, vous ne pouvez jamais mourir sur l'ordre d'un homme. Moi encore du gouvernement dans lequel vous vous retrouvez dans le pays. Quelqu'un me dit trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. À l'un de l'autre, il faut diviser l'Apocalypse. Allons-y. Tu verras que l'Apocalypse, le premier point essentiel de l'Apocalypse, commence de Apocalypse 1, le verset 1 à 3. Ça s'appelle introduction de l'Apocalypse. Jordan. Vous savez, introduction d'Apocalypse. Donc, quand tu lis Apocalypse 1, 1 à 3, c'est introduction de l'Apocalypse. Introduction de l'Apocalypse. Les étudiants de l'eschatologie ou les serviteurs de Dieu, amoureux de l'eschatologie, qui nous aiment aussi, participent dans cette émission. Alors aujourd'hui, les gens doivent savoir que Apocalypse 1, 1 à 3, égale 1 à 3. C'est écrit par Jordan. Deux, la révélation. Deux points. Deux choses passées. Que Apocalypse dit dans Jean. Ce que tu as vu. Encore on voit l'introduction maintenant. Tu écris deux. La révélation. Des choses passées. Entre guillemets. Ce que tu as vu, que Jean appelle ce que tu as vu. Apocalypse. Mais du 4e verset au 20e verset, on ne parle que des choses pas passées. Ce que tu as vu. Trois. Les choses présentes. Parce que les gens posent la question. L'église sera-t-elle enlevée? L'église vivra-t-elle de telles choses? Apocalypse a pris une section qui l'a consacrée aux choses présentes. Cela est trouvé dans quel livre? Toujours Apocalypse. Ce qui est autrement appelé. Les choses ne pas. Parce que ce qui est conjugué à l'indicatif du temps présent. Là, c'est le message du Seigneur glorifié aux sept églises. Apocalypse 2, 1, 3, jusqu'à 22. Jordan, le Losa Moussa là. Le troisième point. De la division du livre d'Apocalypse, ce sont les choses présentes. Autrement dit, c'est qui? C'est qui présent. C'est qui est. Dans la langue d'Apocalypse, il dit ce que tu as vu. Ce qui est. Donc, ce que tu as vu, nous les avons classés dans la catégorie des choses pas passées. Ok. Maintenant, ce que tu as vu, comme c'est passé, c'est qui est. Les choses présentes. Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2 plutôt. C'est là où on a mis la mention, c'est le message du Seigneur glorifié aux sept églises. Apocalypse 2, le verset 1 à 3, et nous allons jusqu'à 22. Les gens ont demandé cette synthèse. Si tu regardes les commentaires, ils ont demandé ça. J'ai lu. Maintenant, quatrième point.
choses à venir. Dans le langage de l'Apocalypse, lui ne l'appelle pas les choses à venir. Mmh. Il dit ce qui doit venir ensuite. Mmh. N'oublie pas. Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit venir. Je te poserai l'interrogation oratoire. Ce qui doit venir, ce sont les choses futures ou les choses à venir. Mais Apocalypse, c'est la borde. Dans le livre d'Apocalypse 4, le verset 1 à 22, et aussi ça continue le verset dans le chapitre 5, faut bien suivre un délai. Cette parole vient de te guérir des maladies. Amen. Alors, il faut être au service de la parole. Amen. Maintenant, comme on est au quatrième, j'ai donc écrit pour nos amis qui nous suivent à la maison. Donc, le quatrième point, les choses à venir. Apocalypse, c'est dit entre guillemets, ce qui doit venir ensuite. C'est Apocalypse 4, 1 à 22, virgule, ça continue dans Apocalypse chapitre 5, comme on a écrit là. Comme tu étais, tu as filé le mauvais coton, comme le disent les Français. Tu as eu un moment où tu étais dérangé par la maladie. Nous devons faire cette synthèse. Effectivement. Alors, maintenant, le quatrième point a 10 sous-sections. 10 sous-sections localisées dans la subdivision du quatrième point. Donc, quand on dit ce qui doit venir, je t'ai dit ici, l'apôtre Jean utilise l'expression ce qui doit venir dans la suite des temps ou des choses qui viendront ensuite. Ensuite, je sais pas, tu as maîtrisé. Et les amis, vous avez maîtrisé. Maintenant, voici les 12, les 10 sous-sections. Première section, le trône de Christ. Autrement dit, le livre scellé. Apocalypse 4, 1 à 5, virgule, ou 2 points. Vous allez aussi au verset 14. Mais, ouverture de cette sceau, qu'on avait déjà abordé. Apocalypse 4, 1 à 17, nous pouvons aussi voir le verset 8 et 1. Troisième sous-section. Parenthèse. Le juif et le païen sauvés pendant la tribulation. Apocalypse 7, le verset 1 à 17. Quatrième sous-section. Ou troisième sous-section. Parenthèse. Le juif et le païen sauvé pendant la tribulation. Apocalypse 7, 1 à 17. Quatrième sous-section, jugement annoncé par les sept trompettes. C'est là où nous sommes. C'est la quatrième sous-section. Jugement annoncé par les sept trompettes. Apocalypse 8, 2 à 9. Aussi Apocalypse 8, 21. 2 points. 8, 11. 2 points. 15 à 19. Toujours le chapitre 8. C'est bon? Cinquième sous-section, c'est ça? Voilà, au cinquième. Étude des personnages dominants d'Apocalypse. Cinquième sous-section, étude des personnages dominants des livres d'Apocalypse, des livres dévoilés. Apocalypse 12, 1 à 18. Sixième,
Sixième. Hein. Sixième sous-section. Il faut calculer. Non. Il faut évoluer avec moi dans la numérotation. Sixième. Sixième. Avènement. Un règne de la bête plus le faux prophète. Avènement. Et le règne de la bête. Le faux prophète. Plus le faux prophète. Apocalypse 13, 1 à 18. Avènement du règne de la bête plus le faux prophète. Apocalypse. Combien? 13, 1 à 18. Quand une sous-section? Septième, nous passons au septième. Merci beaucoup pour le rappel, apôtre des gentils. Ça prouve que tu es là. Puis Apocalypse, quand tu es en train de faire parler l'homme de Dieu, si tu ne fais pas de blagues, tellement la hauteur et la profondeur des révélations, elle est grande, ça peut produire aussi des effets de somnolence. Effectivement. Ah, ouais, premier jour, animateur à Boyoloba. Et je te félicite. Merci. Il y a des autres animateurs qui disent, non mais Alain, toi tu as confisqué le frère Roger Macassé, le frère. Ce frère ici, il sent des choses ici sur le plateau. Ce n'est pas de la blague pour s'asseoir là. Donc, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Septième sous-section. Hein? Oui, septième. Parenthèse. Vision prophétique. Apocalypse 14. 1 à 20. Septième. Vision prophétique. Prophétique. Apocalypse 14, 1 à combien? À 20. Pendant que ça apparaît et ça disparaît, Jordan vous écrit ça. Quatrième sous-section. Huitième. Ok. Jugement annoncé par le sept coupes de la colère de Dieu. Jugement annoncé. Par le sept coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 15, 1 à 16. Mais c'est aussi mentionné vers le verset 21, toujours du chapitre 15. 15. Quatrième sous-section. Neuvième. La neuvième sous-section, condamnation de la grande Babylone. Condamnation de la grande Babylone. Apocalypse 17, 1 à 19. Condamnation de la grande Babylone. Apocalypse combien? 17, 1 à 10. Merci beaucoup. Quatrième sous-section. Dixième. Dixième sous-section. La préparation de la bataille d'Armageddon. La préparation de la bataille d'Armageddon et la préparation pour le règne de 1000 ans ou 10 millénaires. La préparation de la bataille d'Armageddon et la préparation du règne de 1000 ans ou de 2000 ans. Apocalypse 19, 7 à 20. Maintenant, après les 8 sections, un dernier tiré. Jugement dernier. La Bible dit, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes et à des femmes intelligentes, capables de les transmettre aussi à d'autres. Donc, je ne sais pas le nombre des serviteurs de Dieu. Quelqu'un peut être derrière la caméra. Quelqu'un peut être en train de travailler dans une maison. Mais qui ne se prononce pas. Mais qui ne se prononce pas. Mais il a une attention particulière sur comment Dieu décoder. Ce sont les appels. Dieu appelle les gens comme ça. Effectivement. Voilà pourquoi le dernier trait, on a écrit le jugement des derniers. Deux points. Description de la cité céleste. Hosanna. Deux points.
description de la cité, céleste ou sainte. Apocalypse 20, 7 à 22. Alors, comme le quatrième point a dit sous-section, nous avons les derniers points qui est quoi? Cinquième point. Conclusion. C'est-à-dire, le dernier message de la Bible, Apocalypse chapitre 22, le verset 1, Apocalypse chapitre 22, le verset 6 au verset 21. Voici décortiqué de manière divisée le message de Apocalypse qui veut dire action des dévoiles. Donc maintenant, l'un de l'éternel que tu es là, quand tu rentres à la maison la prochaine émission, tu sais déjà la thématique du chapitre qu'on aborde. Avant d'entrer, je voudrais te faire lire que l'interprétation, le symbolisme interprété, ne doit pas se faire par une intelligence humaine. Il faut qu'on avale le rouleau. Donc la Bible s'interprète par elle-même. D'où vient ce principe? Posons le fond. Le fondement. Deux pierres. Avalons le rouleau. Le rouleau. Deux pierres, chapitre 1. Le verset 20 au verset 21. Voici le principe que nous utilisons dans notre technique d'évangélisation doctorale. Posons le fond. Le fondement. Avalons le rouleau. Le rouleau. 2 Pierre chapitre 1er, nous lisons le 20e verset. Le 20e verset jusqu'au au verset 20. 21. Pose le fondement, apôtre des gentils. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que vous voyez les émissions à la télé, des gens qui viennent interpréter une prophétie par une interprétation particulière. Non. Quand tu veux analyser, étudier, comprendre les prophéties, tu dois le faire. Non pas selon l'interprétation personnelle. Quand on te dit que vous deviendrez des esclaves, tu ne peux pas venir interpréter, devenir esclave selon l'intelligence des livres de la Rousse. Non. Tu le feras en fonction des écritures qui complètent et qui expliquent le langage. C'est ainsi que le 21, quand on dit le vent qui va emporter plusieurs loin de la face de Dieu, ne doit pas être interprété d'une manière particulière par quelqu'un qui passe à la télé. Il doit poser le fond, le fondement. C'est pourquoi quand j'ai dit, après le 21, vous allez voir des vents et des tempêtes qui vont emporter plusieurs loin de la face de Dieu. J'ai posé le fondement, ouverture des quatre premières trompettes. Là, tu as respecté la procédure de 1 Pierre 1 20. C'est pas toi, tu as complété par les écrits. Les écritures. Maintenant, les événements viendront confirmer après. Posons le fond. Le fondement. Maintenant, comme la Bible, la prophétie, c'est d'abord quoi? Ce n'est pas la parole inspirée de l'homme de Dieu qui s'appelle seulement prophétie. Non. La Bible, elle est la première prophétie par excellence. C'est pourquoi nous interprétons les livres d'Apocalypse. Parce qu'elle est la première prophétie révélée. Donc, comme elle ne doit pas être l'objet de l'interprétation de notre intelligence, nous devons poser le fond. Le fond. Interpréter les écritures par les écrits. Par les écrits. Et c'est le travail que je ferai aujourd'hui dans les décryptages. Très important. Tu comprends maintenant comment on dit que il y a toute une génération qui est tombée dans la parole de Dieu. Tu vois pourquoi j'ai dit que Dieu doit susciter une nouvelle génération. Et tu vois quelqu'un passer à la télé dire, il n'a que des versets, des versets, des versets. Oh, mais c'est un principe biblique que tu ne peux pas interpréter par ton interprétation personnelle. Non, tu dois trouver l'interprétation dans les Écritures. Et comme c'est un travail difficile, certains veulent bien étaler leur faiblesse et leur ignorance en disant, mais c'est un verset, mais oui, le verset, tu interprètes la Bible en fonction de quoi?
Ça, c'est grave. Même toi, qui est venu après beaucoup de gens qui se disent apôtres, tu vas commencer à regarder la télé, tu dis, en fonction du principe d'interprétation particulière, cet homme n'est pas de Dieu. Il n'a donné aucun verset pour justifier ce qu'il a, ce qu'il a dit. Ça va devenir facile avec cette émission. Tu n'auras plus besoin de loupe. Tu regardes seulement quelqu'un à la télé, tu dis. Il avait dit un principe dans 1 Pierre chapitre 1, 20. La Bible ou la prophétie ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Il dit bien, sachez tout d'abord. Papa, reprends cette partie-là avant d'entrer dans l'actualité. De Pierre, nous lisons le premier chapitre, versets 20 et 21. Ça commence par quoi? Sachant tout d'abord. Sachez. C'est toi, c'est quoi? Sachant. Sachant. Moi, c'est sachez. Donc, on vous informe, avant de commencer vraiment à décoder, avant de commencer à parler de Dieu, avant de prétendre que tu es un télé évangéliste, tu dois savoir tout d'abord quoi. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture... N'attendez pas que les gens vous le disent. Vous-même, vous qui voulez commencer à parler à la télé là, toi qui veux commencer à dire ce que tu as vu la nuit, j'en appelle à toutes les personnes qui ont des visions la nuit. J'en appelle à tous ceux qui ont des songes la nuit. J'en appelle à ceux qui disent la koufaki, la kabouna, là, ce jour des morts, j'ai vu des gens. J'en appelle à ceux qui passent à la télé, qui disent j'ai vu des gens au paradis. J'en appelle à ceux qui témoignent la parole de Dieu à la télé. Dès aujourd'hui, nous allons remettre les valeurs spirituelles à leur place. Avant de commencer d'abord à nous raconter ton témoignage, à nous raconter ton songe, à nous raconter ta vision, qu'il soit chez moi, qu'il soit chez Alain Ndébé, qu'il soit dans une autre chaîne, il doit commencer par stipuler de Pierre un 20. Que lui-même sache d'abord que ce qu'il veut dire interprétation. Doit trouver une interprétation particulière par rapport à l'humanité. Eh, eh. Vous savez comment il passe. Oh non, je viens à peine quitter la magie. Je fais venir le témoignage. On ne refuse pas. Mais ce que tu veux nous dire là, concerne la prophétie. Sache tout d'abord toi-même que ce que tu veux dire doit être en conformité par la parole. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des écritures qui expliquent clairement ou soit codé, mais que toi, t'avais le témoignage, tu ouvres l'intelligence des hommes. Continue. Et si nous avons besoin, nous allons partir là. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu parles de la place de Dieu, quels seront tes arguments? Biblique ou personnel? Biblique. C'est fini. Donc toi ici maintenant, quand tu vas commencer à décoder, nous va frère Roger, en vertu de l'article 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 20. De Pierre, chapitre 1, le verset 20 à 20, à 21. Toi aussi maintenant, ne nous raconte pas ton intelligence. Pose le fond. Le fond, non. Ah, voilà les roues. Le rouleau. Ça, au moins, c'est exacté. Le cas contre bête du champ. Bête du champ. Ah! De Pierre, chapitre 1, comment les bêtes de bête du champ. Chante aux hommes, puisqu'on a Ézéchiel. Ézéchiel 34. Bon, quand toi tu dis que les gens qui font cela sont des bêtes de champ. Si on va tout, c'est le petit bête de champ, interprétation. Yo! Il y a eu mon coup. Mais maintenant, tu ne vas pas me n'a posé le fond. Ézéchiel 34. La baguette, pour des raisons de l'amour de l'évangile. De Pierre, chapitre 2, le verset 1 à 4. Merci beaucoup. Alors, je crois que là, c'était juste une brèche que nous avons ouverte tout à l'heure. Je crois que nous allons aussi. Et nous avons fermé également cette parenthèse. Ozana, qui était important. Mais effectivement. Parce que toi, tu as beaucoup d'émissions. Effectivement. Et il y a aussi des gens qui font beaucoup d'émissions en Europe. Entre autres, nos amis de la France et de la Belgique. Dorénavant. Et des États-Unis aussi. Et des États-Unis, nous vous saluons. Sachez que maintenant, il faut poser les fonds. Les fonds. Merci beaucoup. Je crois que quand même, nous allons toucher un point qui est très, très, très important.
Depuis un certain temps, la République démocratique du Congo traverse une période très très grave. Le pays se retrouve dans un état chaotique, rien ne marche. Depuis un certain temps, il y a plusieurs questions, il y a Ituri qui est toujours en guerre, Bénin, n'en parlons même pas. Il y a eu plusieurs manifestations. Alors, s'il faudra faire un petit pas en arrière, homme de Dieu, vous avez à parler de cela, il y a plusieurs mois passés. Hosanna. Aujourd'hui, c'est que vous avez toujours dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en République démocratique du Congo. Comment interprétez-vous cela? Bonjour, le fond. Le fond de moi. Aucune prophétie. Comme il s'est dit. C'est ici comment on a besoin de son papa. Tika va faire ça, on a papa, faire ça, pamba, pamba. C'est un principe biblique. Le pays va mal. Quand tu dis que le pays va mal, le politique risque de croire que au terme du régime là-bas. T'opposer le fond. Pour leur dire que cela est conforme aux Écritures. Mais cela ne justifie pas votre gestion. Ce n'est pas parce que j'ai posé le fondement qu'il y aura des problèmes dans le monde que quelqu'un va se prévaloir pour dire « Ah non, vous voyez même la Bible, elle le dit. » Non, ça c'est une interprétation personnelle. Le mandataire, le gouvernement, le Sénat, la présidente, gérez bien. Vous avez un bilan à présenter. Ne vous justifiez pas. Moi, j'ai justifié par rapport à ma question ici. Vous avez le fond. Le fondement. Nous avons dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, lis-moi le premier verset. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Bon, alors, on va aller jusqu'au verset 7. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Bah, tant qu'on ne pas, tant difficile économique, tant difficile politique. D'ailleurs, sur le plan politique, nous venons d'annoncer. Nous avons dit cette année, Dieu va arracher les gens de l'Afrique qui font du mal. Nous avons dit même au Congo ici, l'Éternel Dieu va balayer politiquement, ecclésiastiquement. On avait dit ça. Effectivement. Il y aura des temps dits difficile. Sur le plan politique. Mes condoléances à la famille d'Idriss Déby. Il a fait combien d'années dans le pouvoir? 30 ans. Dites à tous ceux qui sont en Afrique, qui ont dépassé déjà, qui ont les mêmes générations, dites-le, ils vont partir de la même façon qu'Idriss Déby. Notez. Idriss Déby est pas. Il est parti. Après Ahmed Bakayoko. Représentant de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Tozokende, vous savez des fois, vous croyez que pour que Dieu change l'histoire d'un peuple, il faut qu'il y ait une grande guerre, il faut qu'il y ait une grande révolution, il faut que l'Église puisse se joindre au mouvement subversif. Non! Par moment, les voix de Dieu, comme le dit Esaïe, ne sont pas nos voix. Vous pouvez tourmenter, régner comme un arbre verdoyant. Celui qui prend le méchant, il peut prendre, paf! Situation Zongiki, c'est ce qui se passera en Afrique et partout dans le monde. Il ne faut pas mettre la RDC en exception. Nous sommes devant une nouvelle saison. Tant difficile. Le Congo en vit. Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit, avec l'avènement de la mondialisation, avec l'avènement de l'internationalisation et de la globalisation des cultures, les temps qui viennent seront difficiles. Mais le cas de la RDC risque d'être encore beaucoup plus dur. Pourquoi? Tu devais me poser cette question. Pourquoi? À cause de l'apprentissage. Les moments difficiles viennent trouver la RDC dans la période de l'apprentissage politique. Imaginez, Matthieu 24 dit déjà, il y aura des temps dits difficiles. Maintenant, les temps difficiles trouvent la RDC pendant la période de l'apprentissage politique. Sangi Sango. Et pêchez le bien. Posons le fond. Le fond. Avalons les roues. Le rôle. Respectons article 1. La prophétie n'est jamais interprétée de manière pas particulière. Nous posons le fondement. Deux, en raison non seulement de l'apprentissage politique, mais aussi en raison des cœurs des leaders politiques congolais qui ne sont pas préparés à l'échec électoral. C'est le deuxième point.
Et cela tourne à l'Afrique. Maintenant, les vautours que j'appelle l'Occident, il faut compter la France, les drapeaux. Il faut compter la Belgique. Jordan fait son travail. Il faut compter l'Angleterre. Suisse. Il faut compter la Suisse. Il faut compter les États-Unis d'Amérique. Il faut compter les éléments de l'autre axe. Puissance régionale. La Russie. La Russie. Avec Vladimir et Poutine. Nous avons aussi la Chine. Sans oublier Turquie, qui vient de jouer un grand coup contre les mondialistes avec Overgreen. Le bateau qui est resté, c'était une autre préparation du deuxième coup des mondialistes après le Covid. Plusieurs le sauront après. Maintenant, l'impréparation des cœurs des leaders, suis-moi bien le cheminement, par rapport au temps difficile, le poids sur les cœurs non préparés à l'échec électoral ouvrira une brèche pour que les vautours qui sont à l'extérieur prennent l'assaut et atteignent la première mission de la franc-maçonnerie fondée par Adam Weishaupt, ou la confrérie des Illuminés, fondée en 1776 en Bavière, en Autriche. Leur premier objectif, c'est quoi? Prendre le contrôle et la domination de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Je veux que Jordan souffre aujourd'hui pour écrire ça. Parce que vous ne vous comprenez pas pourquoi les Occidentaux ne nous laissent pas. Parce que dans leur ordre, voici leur premier objectif. Jordan, on y va. Prendre le contrôle total. Parce que contrôle est au masculin. Prendre le contrôle total de toutes les ressources du monde. Entre parenthèses, ressources minières, hydrographiques, les ressources du sol, du sous-sol, tout ce qui est ressources, richesses. Ils veulent prendre le contrôle de toutes les ressources pour parvenir à une domination mondiale. Maintenant, comme il y aura des temps difficiles à l'un d'eux, Dieu n'a pas dit à l'homme, Adam et Ève, au commencement, de dominer sur l'homme. Non, attention. Attention. Dieu n'a pas demandé à la présidence, ni au Sénat, ni au Parlement, ni au gouvernement de chercher à dominer les Congolais. Non. Dieu n'a pas donné aux blancs l'ordre de dominer les êtres humains. Non. Il n'y a que Dieu qui domine l'être humain, mais l'être humain domine le bête et l'environnement. Attention. Le désir de commencer à dominer l'homme vient de Satan. Assujettissez le monde, pas l'homme. L'homme est assujetti par Dieu. Ce distinguo vaut la peine d'être expliqué. Pour parvenir à la domination mondiale, je cite deux points. Référence à Albert Hume. Voir Jekamine. C'est la question que tu as posée, tout ne va pas. Moi, je pose les jalons, mais en commençant par article 1. Aucune interprétation pas particulière. J'ai donné ma référence. De 1965, il faut écrire. En 1997, le Congo avait 150 gisements. Les gisements sont des espaces qui contiennent nos ressources minières. Autrement dit, les matières premières. J'ai dit combien? 150. Note deuxième tirée. Entre 65 et 77,
En 97, qui a régné? C'est quel président? Mobutu. Il faut dire, nous sommes pas comme ça. Mobutu. Pourquoi on a rappelé le mot même pour citer le nom de l'ancien président de Jean-Pierre? C'est notre président, vous n'allez pas changer l'histoire. Commandez! Posons les fonds! Les fonds! Avalons l'histoire pour! Politique! Assortir de l'interprétation biblique! Hosanna! Combien de jugements? J'ai dit combien? 150. 150. Le président que vous voyez, Mobutu, commande, n'en a exploité que 4. Tout ce qu'on a construit au Congo ici, 4 jugements, des lingots d'or, de l'uranium, des diamants, tout ça. Premier producteur en 1965. RDC, premier producteur de toutes les matières premières. C'est toi qui entres maintenant. On a posé les fondements bi, on a avalé les roues, mais à cause du chapitre, de Timothée chapitre 3, verset 1, entre autres, il y aurait le temps dit, Roger fait ressortir maintenant l'angle, l'histoire pour. Politique. Je ne parle pas de la politique, je parle de l'histoire politique. Il faut que nos enfants et ceux qui sont à l'étranger sachent que c'est pasteur qui parle. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui concerne les affaires du royaume de Dieu. Il connaît les affaires économiques et politiques de son pays. Mais il n'aime pas parler parce que il n'y a pas de problème. Il y a préféré ça. Albanéga Magambiabi. Parce qu'une autre personne peut raconter des choses qu'on dit dehors là. Si c'est Baka, tous les pasteurs vont continuer à cacher. Oh, il est exagéré. Il se prend pour qui? Je ne me prends pas pour qui. Je me prends pour le messager d'ouvrier des temps de là. D'accord. 1977. 97. 1997. Jusqu'en 2000. Les élections se sont faites en 2010. 17. On a voté en quelle année? 2017, 2018. 17. Les résultats étaient publiés quand? Janvier 2000. 18. 2000 combien? 10. Mais oui, c'est ça. Il faut connaître l'histoire de votre pays, frère. Ne vous arrêtez pas, alléluia, alléluia. Chacun a son travail. Mais nous qui sommes devenus des leaders d'opinion, on nous regarde deux fois quand tu dis quelque chose pour savoir tu veux porter atteinte à qui. Non, on n'est pas des politiciens. Non, nous sommes des pasteurs. Mais au point où tu as posé la question, il y aurait des temps dit. Difficile. Ça vaut la peine d'avaler l'histoire pour. Politique, bien sûr. Plus de 110, j'avais dit c'était 150. 150. Oui. Pendant cette période, plus de 110 gisements ont été exploités. Alors maintenant, entre 2019 jusqu'à avant-hier, Albert Yuma a dit que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale a fait commettre à la RDC avant même que les élections soient faites. Je pense que c'est ça la pensée qu'il a dit. Des conseillers du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont dit à la RDC, vous n'avez pas de moyens pour mettre en valeur vos biens, vos ressources d'exigement. Cédez-les aux experts qui vont vous aider à savoir les gérer. Donc, c'est ainsi que les experts qui sont venus, Albert Yuma a dit, ce n'est pas moi. C'est la pire des erreurs que la RDC a commis. Ils ont pris tous les gisements. Les 150. Ils sont allés les vendre et les prêter aux banques mondiales. Maintenant, en vendant cela, ils devaient nous apporter des capitaux. Ils n'ont pas vendu, s'il te plaît. Nous sommes au Congo. Mais nos terres ont été déjà vendues. Ce sont des temps dits difficiles. C'est alors que vous entendez les gens dire un pays scandaleux, géologiquement scandaleux. Je ne sais pas ce que vous dites dans cette phrase-là. Mais vous êtes géologiquement scandaleux, mais scandaleux pour quel sol vendu? Prêtez aux banques. Écoute les principes économiques. L'expert de la Banque mondiale vous donne des conseils. Mais en prenant vos terres, le gisement que vous avez doit revenir avec des capitaux avec un taux d'intérêt inférieur à 3%. Avalons l'histoire politico-économique.
tout on avance pas. Puis si j'en parle pas, Baka est corrompu. Mmh. On tue les gens à l'Est. Non, vous allez comprendre pourquoi on tue les gens hein, à l'Est. Parce que les espaces qu'occupent notre population, c'est de l'espace vendu sur contrat. Aux multinationaux qui estiment qu'ils ont le droit de réclamer cela parce que vous les avez vendus par les canaux de la Banque mondiale ou de FMI, Fonds monétaire international. J'ai fait de mon mieux dans la politique, dans la historien, politique et économie. On peut avancer, même vous qui êtes à la maison, vous estimez que je peux avancer parce que dès Timothée nous a dit pourquoi il y aura des temps difficiles. Chez nous, dès Timothée dit au chapitre 3, il y aura des temps difficiles. Mais chez nous, la difficulté, elle est politique et économique. Pourquoi? Parce que vers le temps de la fin, on prendra les jugements de la RDC, on va les vendre. Non, pas vendu, mais prêté. Donc, ils sont revenus avec des prêts. Ils sont revenus avec des dettes que nous devons nous encore payer avant de récupérer ces contrats. Non seulement avant de les récupérer, ils doivent nous payer aussi des frais qui doivent contribuer à la construction et à la reconstruction de la RDC. Non seulement ces frais ne sont pas payés, qu'on appelle des dividendes, mais aussi les dettes ne sont pas encore payées et le taux de pourcentage de remboursement des prêts a quitté 3% pour atteindre 10%. Ouh. Bon, il y aura des temps difficiles. D'abord, il y a un peu de temps de la politique. Il y a un peu de temps à expliquer en avalant le rouleau de 2 Timothée 3.1. Les temps difficiles en RDC sera encore trop dur en raison de l'apprentissage démocratique et les vautours qui nous regardent. Papa, on s'arrête là. C'est pourquoi tu vois la guerre à l'Est. C'est un héritage. Maintenant, les secrets. Tu connais ces banques internationales. Pour bien exploiter nos terres et tuer nos frères à l'Est. Tuer les frères à l'Est, c'est une, ça a une signification. En fait, il faut des fois que le blanc ne nous considère pas comme des Africains bourriques. J'aime pas cette conception des choses. Il y a des Africains qui réfléchissent. On les appelle les bons citoyens du siècle. Mais ce sont des gens qu'on n'écoute pas. Ces gens qu'on n'approche pas parce qu'ils ont un autre langage. Écoute la politique. En faisant d'abord de un, pour maîtriser la RDC, hein, on nous a donné l'embargo de ne pas acheter des armes. C'est pour empêcher l'armée congolaise de faire une certaine réclamation un jour. Parce que si on doit faire une réclamation, elle sera militaire. Pour récupérer nos terres, elle sera militaire. Mais pour que nous ne soyons pas au rendez-vous de la guerre, embargo. Je crois que c'est ce qui est négocié toujours maintenant avec les Américains. Sur ce point, nous disons un grand merci au gouvernement parce que nous avons l'impression que pour nous défendre, nous avons besoin de la nouvelle technologie. Pour chasser les populations autochtones en vue de bien exploiter les matières premières que nous avons nous-mêmes acceptées, de céder à la Banque mondiale et que les autorités politiques, il faut bien les dire, pas la population, parce que la population ne connaît pas ce que nous disons ici. 90% de la population ne connaît pas les choses que je raconte. Il faut faire la guerre pour chasser les peuples autochtones. Alors, en chassant les peuples autochtones, il faut créer le métissage. C'est-à-dire, ceux qui viennent doivent mettre au monde. Si cette politique ne va pas, il faut acheter les terres. En achetant les terres, vous devenez copropriétaire. Et si le contrat n'est pas respecté, nous allons tuer les gens jusqu'à ce que nous allons revenir sur la table pour parler de ces générations. Effectivement. Je suis en train de te le dire. Ne crois pas que le Congo va demeurer comme ça jusqu'à la fin. Non. Si cela était le cas, tu ne me verras pas être persévérant à la télévision, même devant les menaces de mort. J'ai une promesse. Je te l'ai dit, je ne me mets pas ici pour parler tous les jours. Qu'on m'attaque, on veut m'assassiner. Non. Sinon, j'ai dit à la diaspora, j'aurais arrêté si je n'avais pas une promesse de changement du Congo. Je peux vous garantir, j'ai cette promesse. Amen. C'est pourquoi je persévère. Amen. Car toute victoire a un prix à payer. À payer. Voilà. Payons les nôtres.
Comment dire? Décoder. Posons les fonds. Les fonds. Avalons les roues. Le rouleau. Mmh. Très important. Alors, je crois que nous continuons avec Apocalypse 9. Exactement. C'est là, nous sommes arrêtés la fois dernière. Le verset 7. Là où l'apôtre commence à parler de la cinquième trompette, mais en parlant des animaux, en donnant beaucoup de références, ça dit beaucoup d'apparences, beaucoup d'interprétations. Ça dit, nous sommes dans la partie où Jean, par difficulté des définitions concrètes, donne des apparences qu'il a du mal à expliquer. Alors, il va dire comme, ressembler. Maintenant, il faut poser le fondement de côté. Le plus grand travail de Jordan commence. Ah. Jordan, les gens de l'Europe m'ont dit, on va commencer à t'envoyer le salaire. Jordan, c'est là, papa, je ne sais pas c'est combien. Alors, combien de Jordan, moi, je ne sais pas combien ils vont envoyer. Mais il va se dire, non. Hein? Il y a Gédéon quand même. Hein? Il y a Yo. Il y a Yo aussi. Mais au-delà de tout ce monde-là. Hein? Hein? Il y a aussi. L'apôtre de Jean. L'apôtre de Jean. Hosanna. Alors, mon apôtre, nous allons dans le livre de Apocalypse. Apocalypse. Où il y aura beaucoup de questions. Mais tout en respectant l'article premier. N'interprétez pas la prophétie pour votre interprétation pas particulière. Il faut poser le fond. Le fondement. On y va. Apocalypse 9. Apocalypse 9, verset 7. Jusqu'à, nous allons nous limiter au verset 13. 13, ok. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Bon, on va se limiter à 10 hein, pour ne pas déborder. Hein. Mmh. Hein, sinon, ça fera beau. On y va. Et leur visage était comme des visages d'hommes. On reprend. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Que fait Jordan? Il montre des sorts. Sauterelles. Mais qui ressemble à des chevaux? À des chevaux. Donc, pendant qu'il lit, toi tu illustres pour que les gens sachent quelle sera l'interprétation. Mmh. On y va. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Sauterelles wana, ba kokanina ba punda, au bazar déjà prêt pour la bitumba. Avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Bazar ba couronne et kokanana wolo. Et leur visage était comme des visages d'hommes. Mais bilongi na bango ya ba sauterelles au bazar kokola ba punda bazar na bitumba et kokanina bilongi ya ba. Ya ba tout. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux. Qui court au combat. Exact. Elles avaient des queues semblables à des scorpions. Et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Mais na mukila na bango lokola scorpion a pika ka venin na mukila. Ba binde na mukila na bango wana nguya na bango ya kosala mabe ezalaki ya kosala mabe na mukili pendant combien de temps? 5 mois. Donc maintenant comprendre que malgré que ba mette na solo nyonso na suka ba bimisi venin. On a tout donné les détails. Mais à la fin on dit tout le pouvoir de tous ces détails repose hein, sur la ressemblance de la queue des scorpions. Les scorpions qui piquent par la queue avaient. Donc cela ressemble à un virus. Un virus. On avait dit ça la fois passée. Mais quand on dit 5 mois, c'est tout simplement parce que la durée de la manifestation de ces virus ne dépend pas seulement de ces hommes. Cela va commencer et sera limité par la souveraineté de Dieu qui connaît le temps de cette chose. Exactement. Vous comprenez? Tout va dire. La question des animaux. Par rapport à ce que nous venons de lire. C'est ce trail qui ressemblait à des chevaux préparés pour le combat. Sauterelle qui ressemble aux chevaux. Donc, on fait comprendre les sauterelles. Regarde bien. On dit, parce que ton côté, c'est grave. Hein? Comment le titre? Comment?
Apparence dévoilée. Ok. Apparence dévoilée. Nous sommes arrivés là. C'est maintenant qu'on m'a dit. Découvrir. Nous allons dévoiler leur apparence. Et puis, apparence dévoilée. Apparence, ça va pas nous balayer. Et puis, A. Rance, et ça, E. E-N-C-E. Apparence dévoilée. Donc, comme l'apparence est au féminin, dévoilée, ça va nous balayer dans ce cas. Parce qu'il y a des intellectuels en France qui n'aiment pas des erreurs en français. Tu commets une erreur comme ça, dit j'ai perdu l'appétit de cette émission. Dis, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, ils ne peuvent pas écrire de voilà avec eux. Pour ça, l'effort. Respectons la coutume de France. Les Français. Marchons selon Grévissimo. Maurice. Ah, il lui fait ça, un tout complet. Ok. Dans l'apparence de voilà, Ndé le pose la première question que j'aimerais bien que les gens sachent. C'est quelle question? On veut quand même découvrir comment étaient ces sauterelles, parce que sauterelles qui ressemblent aux chevaux, ça complique déjà. Alali, Jean donne ici une description détaillée de l'apparence des animaux qu'il a vus en vie, en vision. Le premier, sauterelle. Mais je pense que c'est ici qu'il faut décorer. Décoder plutôt. Si Jean compare ses sauterelles aux éléments qu'il a dit, c'est parce que cela énonce ou apporte des jugements de Dieu intenses, dévastateurs et rapides. Tout animal ressemble à ces qualificatifs. J'ai eu des jugements qui sont comment? Intenses, en raison de la qualité d'un animal. Mais qui sont dévastateurs, en raison de la qualité des animaux qui sont définis là-bas. Mais aussi rapides, en raison des animaux dont ils donnent l'apparence. Mais il faut dévoiler la part. L'apparence. Les sauterelles dans le langage de la Bible, décodons, représentent l'invasion démoniaque. Mais que Jean utilise le langage de sauterelle, qui en réalité veut dire démon. Mais pour ne pas tomber dans le premier article, qui dit quoi? Sachez ou sachant, tout d'abord, prophétie. Que toute prophétie ne doit pas être l'objet d'une interprétation par particulière. Quand j'ai dit que les sauterelles ressemblent aux démons, c'est une interprétation pas particulière. Mais maintenant, 21. Que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est Dieu qui me dit de dire que les sauterelles ressemblent aux démons, il doit poser le fond. Le fondement. Avaler les roues. Le rouleau. Pour que les gens sachent que ce n'est pas une interprétation particulière. Et la Bible s'est interprétée par elle. Par elle-même. Prends ta Bible, papa, tu m'as dit Marat. Hop. Exode, au chapitre 10, le verset 4, le verset 5, le verset 12 à 13. Avalons le rouleau. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Pour expliquer les sauterelles, les gars, des démons. Donc, les démons vont entrer en jeu dans la cinquième trompette. Je vous avais dit, c'est l'invasion satanique. Maintenant, il ressemble à des sauterelles. Moi, je dis que c'est sauterelles égale des démons. Mais, 2 Pierre 1, 20 ou 19 à 20. Il dit non, Bac, attention. Sache tout d'abord, ce que tu viens de dire ne doit pas être l'interprétation personnelle ou particulière. Tu dois poser le fond. Le fond. C'est pourquoi Bac va interpréter cela par les écrits. Par les écritures, oui. On comprend devant sa Bible. Nous salons en bas solennel en mode. Il faut du sérieux dans l'œuvre de Dieu avec la génération qui vient. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Le verset 4, le verset 5, 12 à 15. On y va. Verset 4. On commet déjà. Ah, papa, yo comment tu vas verset bon. Comment la Bible boye. 4. Combien 10. Exode 10, 4, 5, 6. Ok, on y va. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, Sokio oboyi voici, je ferai venir demain.
L'homme il a ton mot. Des sauterelles. Bah, sauterelles. Dans toute l'étendue de ton pays. La mort qu'elle a dans la Valentine de Donc ce n'est pas la première fois que les sauterelles entrent dans le monde. Ils étaient déjà entrés dans les livres d'Exode. Ok. Ils couvriront la surface de la terre. Cinq. Ils couvriront la surface de la. De la terre. Ok. Et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de celui qui est échappé et que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. 6. Non, 12 à 15. 12. 15. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main sur le pays d'Égypte. Et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Voilà. Qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre. Tout ce que la grêle a laissé. 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. 14. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu. Oh, voilà. Et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Ok. 15. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé. Voilà. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe de champ dans tout le pays d'Égypte. Donc c'était l'invasion de sauterelles, mais avec un esprit et une lignée démoniaque de dévorer les restes de ce qui est resté. Donc avec l'avènement des quatre premières trompettes, nous avons la destruction écologique. Mais il y a des choses qui vont rester. Maintenant, les sauterelles dans les cinquièmes trompettes viennent comme une invasion démoniaque pour détruire le paix de ce qui est resté. Confirmé par Jérémie chapitre 51, le verset 27, si je ne me trompe pas. Tout en bas. Ah, il faut poser le fond. Jérémie chapitre 21. Le verset 27. Jérémie chapitre 51. Voilà. 51. Ah. Verset 27. 27. Verset 27. Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. L'évangile. Ça dit, nous sommes en train d'élever une bannière à travers comment de quoi? Nous sonnons de la trompe en annonçant la parole de Dieu. Maintenant, quand on annonce, qu'est-ce qu'on dit? Élevez une bannière dans le pays. Sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles le royaume d'Arar, des Mini et d'Ashkenaz. Voilà. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Faites avancer qui? Des sauterelles. Comme qui? Comme le hérissé. Des chevaux? Des chevaux. Hérissés en ordre. Donc c'est-à-dire que la Bible est claire ici. Que ce n'est pas la première fois que les sauterelles viennent sur la terre. À ceux qui croient que ce sont des prophéties mensongères, vous venez de découvrir que Jérémie l'avait dit, Exode aussi l'a démontré. Mais pour comprendre bien cette matière, nous allons encore poser le fond. Le fond, non. Est-ce que tu es souki dans Exode? Deutéronome chapitre 28 et le verset 38. Avalons le rouleau. Le rouleau. Soyez au télé, madame, nous avons tous les temps. Mamboki, Mambango, exact. Article premier. Exact.
Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation pas particulière. Maintenant, on va montrer que tout est poussé par le Saint-Esprit parce que c'est lui-même qui nous donne les Écritures. Mmh. Deutéronome 28 et 38. Deutéronome 28 et 38. Deutéronome chapitre 28, verset 38. Ils ont la version à Tatiana Cruz, hein, que je salue. Mon père n'a rien dit. Bah, sans tout, bah c'est pas du mais bah sans tout, bah il me dit. Ma pagano va se prendre. Ma comment ça va le temps où je suis là, tu dis. Généo. Et puis c'est la réussite. Mon pagano a bêté musique. Et que c'est yé. Et yémbi. Mais mon sang, toi, yémbi. Ma pagano va se. Non, nous sommes en Zambé. Pardon. Vous dites que vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un monolithe. Depuis que je te suis, je commence à comprendre l'Apocalypse. Il y a mon Tatiana Cruz à Yembaki. Qui t'aime dans l'Apocalypse, c'est mais entre guillemets, vous sentez rien de vie. Ma parole passée. Ma santé, babou. Babouille. Pardon. Posons le point de vue, mon cher. Deutéronome chapitre 28. 38, on y va. 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Oh, comme on est là, et tu feras une faible récolte. Mais on va faire la récolte, Yamou. Yamoukie. Voilà, tout comme okay. Car les sauterelles la dévoreront. Voilà. Ça veut dire quoi? Il adviendra, après la destruction écologique, le peuple de ceux qui restent selon Exode 10:4 sera dévoré par les sauterelles. Or, on nous explique maintenant que la cinquième trompette égale problème agricole. La température fera que l'agriculture ne sera plus productive dans les pays occidentaux. C'est ainsi qu'on va vous faire la proposition de quitter la production agricole pour ce qu'ils appellent maintenant les OGM. Les organismes génétiquement modifiés. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, piqûre pour faire grossir l'animal, piqûre pour faire grossir l'herbe, piqûre pour faire grossir les plantations, c'est parce qu'ils sont au courant que l'Éternel commence à frapper par sa colère le terme agricole. Voilà pourquoi dans les jours à venir, la plus grande famine qui vient, c'est la famine alimentaire. Comment comprendre ce qu'on va sauterer, vous savez ça? On a décodé maintenant. Ça s'appelle apparence des voies. Or, les sauterelles ressemblent maintenant à la grandeur de la semence que l'on met sur la terre, mais qui ne produit rien parce que la destruction des quatre premières trompettes a fait la destruction écologique. Il y a des feux qui s'allument partout, des feux de brousse sans cause. Comme en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le feu s'est allumé sans cause. Quitter le montagne. Et je te dis que ça quitte la montagne, c'est venu jusqu'en ville. Je peux t'envoyer les éléments d'illustration de la caméra qui a filmé. Très souvent, quand je dis des prophéties, hein, ne vous y trompez pas. Vous perdez votre temps. Vous croyez vraiment que moi, Bac, j'ai besoin que vous puissiez confirmer que les prophéties que j'avais dit étaient vraies. Vous croyez vraiment que je passe mon temps à ça? Je ne passe pas mon temps à ça. C'est lui qui m'a envoyé de dire des choses. Je vais le dire, c'est à lui d'accomplir. S'il change d'avis, c'est à lui de changer d'avis. C'est pas moi.
Je ne suis qu'un simple porte-parole. Pardon. Le volcan donnait le rouge à l'est, hein, à Goma. On a vu le volcan, j'avais dit, vous verrez le ciel devenir rouge. Est-ce que vous croyez que c'est pour me confirmer? Non, c'est pour confirmer les Écritures. Vous savez, il y a des gens qui me critiquent souvent. Faux prophètes et tout ça, pourquoi? C'est pour vouloir démontrer aux hommes que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Qui vous dit que je passe mon temps à atteindre de ce que j'avais dit s'accomplisse? C'est lui qui avait écrit la Bible, écoute, il n'a pas vu ça s'accomplir. Jean qui a dit ces choses à l'époque, il ne s'était pas accompli. Il est mort. Qui l'a confirmé que c'était accompli? Moi, je ne suis pas là. Moi, je n'interprète pas ma vision. Je ne parle pas de mon ministère. Je parle le langage de l'Apocalypse pour préparer celui qu'on appelle l'Église, qui est la femme de Jésus à la rencontre de son époux. Et quand il reviendra, si je connais la parole, donc la parole me connaît. En Indonésie, des glissements de terre. En Angola. En Angola, débordement de pluie diluvienne. Plus grave, les criquettes sont tombées en abondance, rendant la visibilité difficile. Les Angolais sont là. Moi, je suis le moindre. Je suis le gardien, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas besoin que ce que je dis s'accomplisse ou qu'on les confirme. Moi, j'ai dit ce que la Bible dit. C'est tout. Je m'arrête là. Arrêtez de passer votre temps à vouloir démontrer au Baka. Baka a menti. Baka n'a pas menti. Jean avait écrit ça à son époque. Il avait vu ça. Non. Quand Jean a écrit ces choses qui doivent venir, ce qui est, ce qui viendra ensuite, Jean avait vu ça. Non. Donc Jean était mort. Les gens de son époque ont dit que Jean était mort. Menteur. Mais nous qui voyons ça aujourd'hui, nous confirmons les écrits des gens. Des gens. Effectivement. Que les sauterelles que nous verrons réciter, c'est une invasion témoignale, mais qui frappe l'environnement et qui perturbe la production agricole. Donc, le cinquième trompette annonce déjà l'entrée en vigueur d'une crise alimentaire mondiale. C'est ainsi qu'on nous propose de quitter l'exploitation des terres pour nous fabriquer des choses génétiquement modifiées. C'est ce qui vient de la suite des temps. Et d'ailleurs, dans d'autres pays, c'est déjà développé. Ils commencent à vivre sur base de ça. Mais voici quelques références rapides afin de vous laisser les devoirs. Un roi 8:37. Un roi. Deux Chroniques 7:13. Hein? Psaume 78:46. Aux unions sont mises à deux. Vas-y, bon, Apocalypse. Joël 2:1. Amos 7:1. Moula va faire ce bandit. Non, frère. Nous parlons pour que vous puissiez comprendre. On y va calmement. Bon, notez. Les références, parce qu'on va s'arrêter là. Un roi. 8:37. Ça, tu vas lire, ils vont avoir les restes. Un roi, 8:37. Deux Chroniques 7:13. Psaume 78:46. Un roi, 8:37. Psaume 105:34. Joël 2:1. Amos 7:1. Tout ça, c'est pour confirmer quoi? 2 Pierre 1:20-21. Donc là, tout le monde ne peut plus contredire. Si tu contredis, tu as contredit la parole de Dieu. Bon, on a expliqué, on a décodé seulement un point, les sauterelles qui sont invasions démoniaques pour perturber la production agricole, telle que bien expliquée. N'est-ce pas? Par les références que nous venons de donner. 1 Roi chapitre 8. Vas-y. 1 Roi chapitre 8, verset 37. Ok. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple. Dans son pays. Qui est l'ennemi? J'ai dit ouverture de cinquième trompette. C'est l'invasion satanique. Vous comprenez maintenant l'interprétation? Maintenant on dit, cette invasion satanique,
viendra avec la femme. La famine. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y aura pas de production agricole. Elle sera une famine mondiale. C'est dans les jours à venir, vous le verrez. Tu as compris maintenant comment décoder. Maintenant, tout ceci, où se trouve hein, l'église? Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont ensemble sur la terre avec l'expression les habitants de la terre. Mmh. On entend par habitants de la terre ceux qui n'ont pas gardé la parole de la vérité, qui l'ont critiqué. Mmh. Elles sont en train de les subir. Mais nous, nous bénéficions de la loi d'exception. Pour bénéficier de la loi d'exception, il faut être dans Apocalypse 3:10. Enfant de Sion. Enfant de Sion. De Sion. Si tu ne l'es pas, tu dois recevoir Jésus à la fin. Mmh. Maintenant, comme Sion est sur la terre, les habitants de la terre sont sur la terre, nous terminons l'émission en donnant les devoirs. Tout ceci se fait devant les témoins. Mm-hmm. Qui sont les quatre êtres vivants. Qui sont les quatre êtres vivants, devoirs. Apocalypse 4, 6 à 8. Apocalypse chapitre 4, le verset 6 à 8. Devoirs. Gédéon, on y va. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Il y a quatre êtres vivants remplis de yeux devant et derrière. Quatre êtres vivants, Misou, et ton Aliboso, et ton Abenassi. Nassim. Bon, la qui ça va tout quatre. Mais je vois tout quatre, voilà. Tiens, on va voir dans la Gédéon. Mais si quoi, tiens, on va voir salut Moutou, Misu na Misu. Njoto, Misu na Misu. Maboko, Misu na Misu. Tanda dans moi, Boye Misabiso. Baka Mayele. Baka les moins intelligents des Valériens. Alors, Bibo Misabiso. Ba trompette yo. Ba tu baïna Misu et Bélé, ba au monde. Ba tango ba na. Danani. Ok. Le premier être vivant est semblable à un lion. Si quoi, Jordan, Akamati Moutou, Misu na Misu et Bélé. Débélé. A décoré mon tout. Non, ma boko na ma colo. Mais fait la mi. Misu. Ma kokani na naï. Un lion. Comment égale lion? Pour la ni égale est lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Yami balé, veau. Nanina. Bombe. 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 Yama. C'est ça. Soit tout ça, l'erreur, vous allez nous signaler. A kokani na veau, pourquoi? Troisième. Le troisième être vivant. À la face d'un homme. Troisième être vivant. Et l'onginaï, est-ce que c'est la misouté? Mais elle est partout misou. Mais et l'onginaï, c'est le bon amour. Moutou. Il y en a, n'aille. Pour la ligne, l'onginaï, comme la misou, la ligne, c'est la misou. Et il y a comme quoi l'onginaï, moutou. Pose, montre l'illustration, dit point d'interrogation, les hommes intelligents. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Yamina, à comme le goût d'aigle, la zopou. Zopou, moi. Donc, si vous commentez aigle, si quoi, yo, comment la kisa mouta la mise bélé. Mais comment, à comme aigle, la zopou, moi. À comme aigle, pona, pona nini. À comme nyo kate. Nyo kaya limité. Ah, baka. Yamisa va tuer ceci, disait. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Bah, moi, yon ma papou n'a pas assis. Six. Et ils sont remplis de yeux tout autour et au devant. Monsieur n'a pas moi ton dali bonjour, tu n'as pas assis. Merci. Et la kissimi. Devoir à domicile pour les poursions. Il ne cesse de dire jour et nuit. Bah moi ce que la bilan mon sur le bien, la tombe midi pour quoi? Malo baga. Saint. Mon santo. Saint. Mon santo. Saint et le Seigneur. Mon santo. Mon continue à vivre. Le Tout-Puissant. Quand la tombe d'un bouillon sort. Qui était? Oyazalaki. Qui est? Oyaza. Et qui vient? Peakosa. Akosa là. Au moment où ils se sont mis à trois temps, y a mon la personne qui vient au chapitre. Malheur. Ah. On comprend le sikoyo. Tenu tu l'as dit ça. Il est temps à chacun d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne suis que le propagandiste. Le Seigneur te reçoit au même moment et tu habites à Sion. Tu peux acquiescer.
Père céleste, au nom de Jésus. Père céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Saint-Esprit. Louange à toi, Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Moi. Moi. Après cette prédication. Après cette prédication. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Là où je suis. Là où je suis. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. A ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui même. Avec ma propre volonté. Avec ma propre volonté. Et avec l'aide du Saint-Esprit. Et avec l'aide du Saint-Esprit. Je confesse à Jésus-Christ. Je confesse Jésus-Christ. En tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. En tant que Seigneur et Sauveur de ma Ainsi, vie. Ainsi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Inscris mon nom. Inscris mon nom. Dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. C'était le moindre de tous. Les galériens, pour tout contact, 243 90 79 66 785. Alain, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ça y va bien. On peut s'occuper mon compte. Nous remercions toutes les mamans et les frères. Il y a des gens qui ont pris des décisions graves qui vont soutenir cette émission. Ils vont soutenir les dépenses que nous avons. Yes, amen. Et ils m'ont dit, ne cite pas leur nom. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, la parole et le travail qu'on a fait de transpirer commencent à produire le fruit. Et ils seront très nombreux. Rassure-toi un jour. Nous ne parlerons plus de nos petits problèmes. Nous allons nous concentrer seulement dans l'évangile. On n'a pas le temps de citer vos noms. Merci beaucoup, maman. Servante de Dieu, merci. Maman, merci. Papa, merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis très touché par vos actions. C'est la preuve à suffisance que le corps de Christ commence à se réveiller. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien, bien sûr, avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, comme on a l'habitude de l'appeler. Alors, vous qui avez besoin d'être en contact, bien sûr, avec lui, retrouvez-le à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Et vous avez besoin d'un encadrement spirituel, n'hésitez surtout pas. Toute question, préoccupation, il est très disponible. Vous avez besoin de le soutenir également, alors n'hésitez surtout pas. Donc, vos soutiens, en tout cas, seront toujours le bienvenu et le Seigneur va vous bénir. Merci beaucoup à toute la grande équipe qui était vraiment fourrée au moulin. Yoshi, merci. Gédéon, merci. Jordan, merci. Jonah, merci infiniment à vous. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Vous qui n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Il suffit tout simplement. Mais allez, dites, parlez-leur aussi pour notre chaîne. Effectivement. Il suffit tout simplement. Il n'y a pas trop de vues là-bas. Il suffit tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être abonné à l'évangéliste? Il faut suivre. Et comme vous avez beaucoup de gens qui gagnent. Nous devons gagner les âmes. Je te remercie. Hein. Bien que chez moi, les gens ne suivent pas beaucoup, ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est que les messages arrivent à un plus grand nombre. C'est ça. Et j'ai compris que chez toi aussi, ça va rapidement. Yes. Ça, c'est très bien. Merci. Donc, beaucoup. J'ai béni l'Éternel pour cet accompagnement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être abonné? Les mécanismes, c'est quoi? Alors, il suffit tout simplement d'aller sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge. Touche une fois. Juste à côté, tu verras une cloche. Touche sur la cloche, tu verras trois options. Toute notification. Va sur toute notification, touche une fois. Et voilà, tu es parmi nos abonnés. Et cela nous fera énormément plaisir. Retrouvez-nous sur Évangile Roger Baka Télévision. Et Nouvelle Tendance TV. Alors, on se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Oui, juste abandonner ni sa postérité mondiale. Sans pain, sans pain, sans pain. Je ne point vivre juste abandonner ni sa postérité mondiale. Sans pain, sans pain, sans pain. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
batambola na yo bayokisa makasoni te aya mbatela yo motema bakutisa mate na mabakwa mongona kasi na nyango aya na milelo na ye azongana.